Attendez, je me permets de regarder rapidement si personne m'a envoyé de messages privés urgents. On sait jamais. C'est toujours assez sport de devoir gérer une communauté. Mais non, là ça va. Tout le monde est tranquille, je suis content. Il faut que je voie vos réponses. Et oui, pour répondre normalement à Jean-Benoît. Ouais, c'est pas grave. Quitte à ce qu'on décale un petit peu, t'es évidemment bienvenue pour les bibis. T'as dit vers 19h. Avec un peu de chance, je vais faire deux grands prix, donc ça va durer 3 heures et des brouettes. Donc ouais, t'en fais pas. Oui, tant pis pour le titre, c'est pas grave. C'est pas pour les 3 quarts d'heure que je garde mon antenne. Allez, Zou, ouais, 15 manges, c'est bien. Ouais, je vais démarrer doucement quand même. Je vais pas tout de suite faire des trucs de fou furieux. Au niveau des dessins. Oh bien! Hey, il est chaud, ton taille est chaud! J'ai envie d'en découdre avec les déchets. Je sais pas où. Alors attends, comment je fais ça? Attends, le truc qui va me trahir. Je sais plus, ça compte le. Ouais, c'est bien. Oh là là, magnifique, j'ai même pas le temps de finir le dessin. Oh, ça me plaît beaucoup la proposition. La musique est trop bizarre. Il y a des chansons d'artistes libres. C'est. J'ai l'impression que c'est. Vous savez, c'est les artistes qui composent des chansons, mais ils font des rimes à tout prix. Mais au prix parfois de perdre la cohérence du propos. Jarafe, oui. Jarafe, whisky. Poilot. Hein, bon. Ça me fait l'effet là. Il y a des chansons, c'est trop bizarre. Oh, tiens, je peux faire ça. Oula, le truc va être incompréhensible. Oh mon dieu! Je ne sais même plus ce que je dessine moi-même, au secours! Sauvez-moi! Ouais, les gens, je vous prie de croire que je fais de mon mieux. Alors, mots composés, c'est la fin, je vous aide, c'est mots composés la solution. Je vois pas comment je peux faire mieux. Je suis désolé, je peux suggérer ça, mais. C'était un bol de fruits! Un bol de fruits! C'est scandalouche! Je vois des choses, comme d'hab. Je vois des choses. Oula, oui, si on veut. Alors, attends. Est-ce que ça marche? Ouais, c'est génial, ça marche mon truc. Tic-tuc. C'est ça. Et après j'ai envie de dire on s'en moque un peu. Pam 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 pam.
Ouais, si je veux, allez hop. Verbe. C'est un verbe. Vers la fin, je vous donne le type de mot à trouver. C'est un verbe. C'est un verbe qu'on cherche. Dommage, c'est creusé. Oh, ça me plaît. Le mot qui me plaît. Oh bien, magnifique. J'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Dans des circonstances particulières, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui me connaissent, ça va éventuellement vous aider comme indice. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Gênant. L'arrière-plan est un peu gênant. Ouais. Oh, bien petit Seb, bravo. Ah, t'as perdu le mot, merde. C'est moche. C'est moche. C'est muche. Déjà, c'était un bain. Oh vache! Oh vache! Je sais même pas comment je vais faire. Non, mon Dieu, quelle horreur! C'est pas du tout le bon instrument. C'est ça que je veux faire, moi. Voilà. Vite, 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 je prends trop de temps. Je prends trop de temps. Mmh.
Oui, bravo! Oh bien, petit Seb! Je trouve que j'étais mal engagé. Mais bien, bien vu, bravo. Merde. Bien, Torotak a trouvé la coiffeuse. Très bien. Alors j'aurais pu faire l'instrument aussi, mais voilà, pour moi c'était plus facile. Ouf. Oh, oh, oh. Ah, j'ai ma petite idée, mais je sais pas si la palette de couleurs va être un bonus ou un malus. Ouais, je sais pas trop comment faire. Bon, bref, je pense que vous avez saisi. Ou pas. C'était des pantoufles, mais c'est pas facile à dessiner. Ouais. Oh, sympa! Ouais. Je sais pas comment je peux faire mieux. Bien, Torota, du cidre, bravo, vous avez deviné que les pommes fermentaient en jus.
Bientôt retard. Waouh, bravo. Oh, ouais, celui-là est facile. Je cède à la facilité, mais j'aime bien le dessiner. J'aime bien le dessiner. Oula. Quoique là, mon dessin est plutôt mon coup de trait hasardeux. Mais bon, bref. Un sèche-cheveux, très bien. Oh, je savais même pas que ça existait. Oh Je rigole d'avance. Je vois pas, je sèche là. Je vois pas comment je peux faire autre chose. C'était un aiguiseur de couteau. Ouais, il fallait préciser, ouais. C'est chiant. Hein. Oh, Torota, c'est horrible. Horrible, il fallait mettre au singulier. Je reconnais que c'est horrible. C'est dommage, j'aurais dû jeter un coup d'œil dans le chat et te dire, t'avais quasiment la réponse. Oh, ça peut être rigolo ça. Allez, je m'offre un peu de fantaisie dans les choses à deviner. Je m'offre un peu de fantaisie. Oh. Ah, c'est fou, parfois vous cherchez trop compliqué. C'est dingue. Iiii, c'était beau le duel Torota petit Seb. On continue. Touk. C'était beau, merci à vous de jouer, c'est rigolo. Mais c'est fou hein, comme j'ai envie de dessiner là, c'est... C'est mon heure des chiens, ça me fait du bien. Et puis
Alors je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'amusent à faire, point de vue morphologie humaine, de faire justement le torse, le tronc. C'est un peu trash quand même comme approche, mais bon. Destination jamais. Gna 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 gna. Il chante quoi le monsieur? Je comprends pas. Comme les idéogrammes des peuples oubliés. Comme dit Colombo, c'est pour ma femme. Ah, oui, c'est un pétale, bravo. Oh, facile. Oui, je sais de la facilité, mais je sais pas. Oh. Qui m'est très désagréable, que je me refuse et d'énoncer et de dessiner. Là, donc on passe forcément au dernier mot. Parce que je rappelle que le jeu nous laisse le choix entre deux propositions à chaque fois. Pour ceux qui ne connaissent pas Garfield Show. Synonyme. C'était un acteur. Bon, voilà. Je gémis, mais de drôlerie, je gémis. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En attendant, je sais pas trop comment je vais faire. Bravo. Ah, allez. Je prise de risque. Je sais que vous pouvez deviner. Putain, j'ai la ligne qui veut pas se faire en continu, c'est chiant. Mmh.
Merde! En même temps, oui, c'est pas une question de couleur, évidemment, on aurait deviné, mais c'est pas ça que je vais faire. Oui, après, je vois pas comment je peux... Ouais, voilà. Oh, brumisateur! Quand tu crèves de chaud. Spray à laine fraîche, c'est pas mal, Christella, y'a de l'idée. Mais non, c'est le fait de crever de chaud. Bon, j'ai peut-être mal dessiné, je suis désolé. Je rigole! Je rigole. Mais merde. Putain, j'arrive pas à faire un truc complet. Oh bien, décoller, bravo. Je vais faire la piste de d'aéroport. Ouais, allez. On va dire que je m'économise. Oh, mais non, mais vous voyez, mon trade devrait être continu. Et je sais pas pourquoi l'ordi me refuse, il me le fait en discontinu. C'est frustrant. Pour pouvoir remplir les trucs après. C'est vraiment bizarre que le... Merci. C'est de la pluie. Oh, 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 prise de risque. Oh, la prise de risque du bonheur. Oh, la prise de risque. Oh la vache. Alors là c'est pas gagné. Alors ouais, ça va peut-être vous sembler bizarre. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Quand vous aurez la soluce, vous allez rire. Je vous dis tout de suite, vous allez rigoler quand vous aurez la soluce. Ah oui, attends, faut que je dise sur quoi on se focalise. Putain, c'est dur. C'est dur, les gens, c'est dur. Non. Oh, tu vois, je sabote tout. Je sabote tout, je suis désolé. Enfin, bref. Oh! Ah, merde, le délai est dépassé. Rôti de bœuf. Je disais, on zappe les cordes et les coucougnettes parce que castré, donc bœuf, et c'est un rôti. Donc voilà. Bonjour Kellyanne Piment. Ah bah tiens, c'est sympa pour les trucs de... Oui, c'est vrai que mon dessin, je vous l'accorde, c'était parti en bûche. C'est pour ça que j'ai eu un moment de... Oups. J'ai eu un moment de gêne en me disant merde, mais mon trait, il est trompeur. Ça va marcher ou... Merde! Ça a merdé!
C'est pas facile à faire, hein. Vraiment. Dernière chose que je peux faire, mais dédicace à l'ami Bastos, il en est fan. Oh, bravo Kélian, bien joué. Ah, oh, bordel. Ah, oh, la vache. Bien Christella. Ah, oh, c'est marrant, je pensais que vous alliez d'abord me dire le melon. Oh, il y a des propositions. Alors je vous les dis pas parce que comme c'est souvent les mêmes mots qui reviennent, et je veux pas cacher vos expériences de jeu pour les autres diffuseurs de dessins. Mais il y a des propositions punaises. Elles paraissent simples, mais à dessiner, c'est juste l'enfer. Mais vraiment quoi. Ou alors faut avoir l'inspiration de génie. Comment je pourrais faire? Je sais pas trop comment faire. Une crampe. J'essayais de dire. Alors, faut pas trop jouer avec les symboles, mais dire il y a une douleur quelque part et avec voilà. C'est voilà. C'est. On aura essayé. Oh. Alors là, celui-là, si vous le trouvez, respect. Ça me bouffe d'avoir le trait discontinu, vous avez pas idée comme ça m'énerve. Voilà, du coup je peux pas remplir mon cercle. Ce qui m'a fait un trait imparfait. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une micro-coupure de réseau et que le site me refusait mon clic appuyé à la souris. C'est vachement frustrant. Oh! Eh bravo Torota. Franchement celui-là, je vous voyais pas l'avoir. Ah là, je suis vraiment surpris, vous êtes trop fort. Putain, les deux me plaisent. Oh
Les deux me plaisent. Allez, prise de risque. Ayons de l'audace, prenons du risque. Oh oui, petit cep, t'as trouvé le cocon. Alors j'hésitais entre l'effet chrysalide des chenilles papillons et des araignées, mais ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup d'admiration pour les araignées. Pour moi, c'est des créatures formidables. Je sais que pour beaucoup, c'est l'horreur, c'est horrible, ça devrait pas exister. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour les araignées. Dès que je peux les mettre en lumière, je le fais. Sans être toutefois arachnophile, mais j'en collectionne pas, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces créatures pour multiples raisons. J'y reviendrai plus tard quand j'aurai l'occasion de me justifier. Oh! Bravo, Kalyan! Alors attendez, vu l'heure, normalement à 14h, je suis censé faire un relais de chaîne, bougez pas. Je me permets de regarder rapidement si... Mais bravo tous les participants et bravo Torota qui est très en forme. Attendez, je regarde si je suis pas joint par... Attendez. Voilà, je vais faire ça. Je n'ai aucun mérite, j'ai été longtemps tout seul. Ouais, mais c'est bien, c'est cool de participer. Je me suis trompé d'accent, la honte. Ouais, non, mais le jeu est cruel au niveau des fautes d'orthographe. Attendez, pardon, faut que je remette le machin. Attends, je refais encore une manche en attendant. Parce que l'intéressé, c'est pas manifesté à moi. Waouh! Allez vite, faut que je dessine un truc. Faut vraiment que je me dessine et que je me décide vite. FunFan à 1992 a dit bonjour, je n'ai pas oublié, j'étais en train de préparer les derniers détails. Ok, l'intéressé prépare les derniers détails. Pardon, mon Discord est en audio. Mais au moins, ça me permet d'avoir l'information tout en continuant l'activité. J'ai pas l'impression que ça vous parle. Mon dessin, il est pas bien. Je suis désolé. J'aurais fait ce que j'aurais pu, mais... Ah! Bravo, Christella! Bien joué avec le gilet pare-balles et le char d'assaut. Vous avez deviné les blindages. Je suis content. Bien, bien, bien. Je partais... Là, je finissais par être défaitiste, mais bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Oh là là là, mon Dieu, je fais nimp. FunFan à 1992 a dit. Ah oui, je pense qu'il me demande une ouverture de canal audio.
attendez, je vais terminer ce dessin là, puis à mon avis on va partir sur l'autre chaîne. On va partir sur l'autre chaîne. Oui! Merci Kellyanne. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que... Là non, je suis relais de chaîne à l'intéressé. Oui voilà, on va l'entendre. Bonjour, bonjour, on t'entend en direct, hein. Attention, n'oublie pas que j'ai mon antenne, fan. Ouais, pas de problème. Mais... Enfin bon, je coupe de matière brute, mais merci à vous toutes et toutes d'avoir joué. Je suis content d'avoir fait un peu de dessin, merci. On va filer chez FunFan pour votre épisode commenté comme d'hab. Attendez, je vous remets ma tronche en attendant. Mais c'était cool, merci. J'avais envie de dessiner et je suis ravi que vous ayez participé malgré l'air assez loufoque de sortie de table. C'était trop bien. Merci, merci tout le monde. Merci Kellyanne, nouveau venu. Donc moi je vous dis, on se retrouve tout à l'heure, après l'épisode commenté, vers les 18h grosso modo, pour les Bibi Marble on Stream que j'adore faire le samedi soir. Et on pourra bavarder en plus, j'ouvrirai la vocale du canal Twitch. Voilà, au niveau du Discord. Merci Kellyanne et bienvenue. Merci, merci. Donc là on va filer chez FunFan pour l'épisode commenté. Alors bah, là par exemple, pour faire la présentation à Kellyanne qui ne doit pas connaître. L'épisode commenté, en fait FunFan joue un jeu... Généralement, c'est des jeux rétro, mais pas que. Et moi, en tant que voix off, j'apporte du contenu culturel supplémentaire. C'est-à-dire que... Alors, parfois, j'aide FunFan en tant que guide pour pas rester trop bloqué longtemps dans le jeu. Mais c'est surtout que je donne des informations sur le studio de développement, sur l'histoire du jeu, certaines techniques de programmation, ou je peux traiter d'un sujet en lien avec le jeu. Une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, il a fait Opération Milkshake, qui est un jeu très sympa. Et j'ai parlé, pour le coup, de la pasteurisation, puisque Milkshake fait penser au lait. Merci tout plein pour ce traitement de alimentaire. À la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Oui. Oui, si rien s'est affiché, j'ai peut-être un peu sabordé mon interface, là, je zappe violemment. Mais c'est pas grave. Mais merci à vous toutes et tous pour jouer. Oui. De toute façon, on est baba cool. De toute façon, c'est une grande récréation, ce jeu. Voilà, pour ceux qui veulent éventuellement les liens, tiens, en attendant, ça va combler un vide dans le chat. Ah, beau de Dieu. Voilà, ça fait pour moi un habillage un peu plus vivant. C'est cool. Attends, je vais arrêter l'enregistrement.